Des constructeurs automobiles depuis longtemps cherchent un style qui leur permettrait d'écouler leur production à l'étranger. La solution, c'est le sur-mesure. À chaque pays sa voiture, pour qu'un modèle soit exporté, faut qu'il soit personnalisé. En France, on connaît nos limites, nous on en a des toutes petites, des plus petites il n'y en a pas, à part peut-être celle des Chinois. L'Américain en a une large qui ne rentre même pas dans le garage. Au Portugal, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'il y ait de la fourrure partout. Chez le Russe qui aime faire des conquêtes, elle est montée sur chenillette. Un bel engin qui sans problème pénètre le marché tchétchène. En France, on connaît nos limites, nous on en a des toutes petites, on les astique avec amour, dès qu'elles ont fait un aller-retour. Chez les Grecs, il n'y a pas de portière, car ils passent tous par l'arrière, pour la longueur, aucune n'égale, celle qu'on peut voir au Sénégal. Chez les Brésiliens, quelle tristesse, il y en a même où il manque des pièces. Au Vatican, elles durent longtemps, faut dire qu'elles servent pas souvent. En France, on connaît nos limites, nous on en a des toutes petites. Le temps de préchauffage est très court, car elles démarrent au quart de tour. Les Anglais qui ont de la jugeote ne retirent jamais leur capote. L'Israélien qui est circonspect exhibe un beau modèle coupé. En Italie, on s'en tamponne pourvu qu'il y ait un bon klaxon. Au Proche-Orient, il y a des mecs qui s'envoient même en l'air avec. On en a des toutes petites, des petites nerveuses qui vont très vite. Les femmes veulent bien les prendre en main, à condition qu'il y ait de bons freins.